paix, bon Dieu, avec tout le monde. Amen. Et nous comptons maintenant pour nous capables ensemble. Et Seigneur, bénis la vie, nous souhaitons le bénir en tout. Et nous-mêmes, Seigneur, bénis nous pendant nos gagnants. Et anniversaire, nous aussi, hier, nous gagnons 42 ans qu'on a la soutien. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Moi, j'ai été converti depuis 18 ans, qui fait que nous avons plus de temps sur la terre à servir mon Dieu que l'existence. Moi, ma existence, moi, j'ai plus de temps. Mais notre travail, Seigneur, depuis que j'ai converti, Seigneur, que vous vous dites, moi, depuis que j'ai toujours consacré l'été dans le pied, je me dis merci pour ça. C'est une grande bénédiction. Matin pour me capable de servir un soutien pour capable d'enseigner et prêcher parole et son grâce. Que Seigneur continue à faire nos grâces. Matin pour nous, amen. Et nous bien verset 10 dans le psaume 36, n'a pris verset 10 là, n'a pris dans verset 12 là, n'a pris dans verset 12. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et tant ta bonté sur ceux qui te connaissent la justice, sur ce dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. Et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Parole du Seigneur. Maintenant, nous voulons partager avec vous les trois caractéristiques de ceux qui marchent dans la lumière. Donc, les trois caractéristiques de ceux qui marchent dans la lumière. Les nous aimons lumière ici. Les nous gardons somme. Si tu sommes, on contraste avec sa méchant. Oui, tout bas des caractéristiques méchants. Et ouais, de la somme présenter méchant comme un cap caché dans ténèbres. Ouais. David présenté méchant comme un marché dans la ténèbre, dans le péché, dans le fait noir. Parce que le monde qui a marché dans la ténèbre, il n'y a pas de méchanceté, la fait. Mais ici, là, il y a David, serviteur bon Dieu, qui connaît que sous la vie, c'est bon Dieu, et c'est bon Dieu lié. Et ici, il dit, à travers la lumière, Seigneur, il y a la bonne lumière. Nous sommes capables de voir la lumière de Dieu dans le sens de sa gloire, de sa gloire, de sa perfection. Parce que Dieu est un Dieu de gloire, il se lumière. Il se lumière dans le sens que nous ne pouvons même pas voir en tant que Dieu, qui c'est l'essence, l'essence et lumière, la sainteté, la justice. Pareil que nous ne pouvons pas voir. Mais tout, nous sommes capables de voir la lumière tout dans le sens de caractéristique bon Dieu. Oui, l'on dit bon Dieu, c'est Dieu de lumière, ou capable de bon Dieu en tant que Dieu de gloire, de perfection qu'il gagne, qu'on n'a pas besoin de nous, mais on est capable de tout, lumière, bon Dieu, en termes de caractéristique, bon Dieu. La nature, quand on est bonté, il y a justice, ou est moralité, ou est sainteté. Well, donc là, on a servi avec vraiment lumière dans ce sens. Et nous avons trois caractéristiques. Nous-mêmes, que nous sommes capables d'identifier, nous sommes capables de garder pour nous connaître ce que nous avons marché, la lumière, bon Dieu, ce que nous avons la lumière. Là. Nous avons caractéristiques ça, dans verset 11, pour arriver dans verset 12. Là. Il dit, étant ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit, que le pied de l'orgueil ne m'atteignait pas, nous étions là. Donc, nous sommes qui il y a marché dans la lumière, bon Dieu, qui voit la lumière, il n'a pas capable de voir mon histoire avec ça. Premièrement, son monde qui a bonté, son monde qui est juste, qui a justice la caille, et son monde qui a humilité. Son monde qui a humilité. Voilà. Donc, trois caractéristiques ça pour nous connaître ce que nous voyons la lumière, est-ce que nous marché dans la lumière, pour nous voir, est-ce qu'il y a bonté la caille, est-ce que nous justice? Est-ce que nous marché dans l'humilité? Lorsqu'on parle de bonté, bonté, bon paquet synonyme, c'est amabilité, c'est bienveillance, c'est complaisance, c'est tolérance. Donc,
Lors de nous bon, nous sommes capables de comprendre, mais nous nous bon. Ouais, tout le monde qui est sous la tête a compris lors de nous bon. Et nous sommes Jésus-Christ, mais on nous dit, bon maître, il te dit nous seul, nous bon, c'est bon Dieu. Jésus te dit souvent de nous bon, c'est qu'on connaît, c'est bon Dieu. Et bien, en tant que petit bon Dieu, nous avons des caractéristiques, bon Dieu, nous avons des natures, bon Dieu, dans nous. Parce que la Bible dit que nous voulons accepter Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Et enfants de Dieu, en, dans le grec là, c'est dire qu'il y a même caractéristique avec X. Il nous dit que c'est petit Dieu, ça veut dire qu'il y a un caractère. Donc, bon Dieu lui-même, il y a une bonté. Bon Dieu, bon, dans le sens souverain. Dans le sens de perfection, nature, bon Dieu, c'est bonté. Nature, bon Dieu, bon. Alors nous-mêmes, nature, nous pas vraiment directement bonne. Naturellement, nous avons tendance pour nous incliner au mal. Mais nous gagnons quand même une lumière de bonté naturelle parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Cependant, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, maintenant, cette nature est transformé par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, et bien nous sommes capables de vivre de bonté, nous sommes capables de vivre la bonté. Et là, ça, nous sommes tous qui bon. Nous tous qu'on a mangé un bagage, nous disons bagage là bon. Hein? Nous disons bagage là bon. Nous disons qu'on a mangé à bon. Nous disons qu'on a mangé à bon. Hein? Manger ça à bon. Vivre ça à bon. Ça veut dire vivre un bon goût. Agréable, on sent tout capable de manger, capable à l'aise avec elle. Et de ces mêmes gens, là nous sommes un petit bon en tant que petit bon Dieu. Là nous avons gardé nous, nous avons attiré nous, la fait mon envie vivre. Parce que bon Dieu nous est bon, papa nous est bon, et de nous-mêmes, nous gagnons. Et lorsque nous sommes qui nous montrent agir avec nous, nous avons tout bon, tout ça, nous comprenons, nous avons des compréhensions, nous montrer normalement, nous sommes qui a marché dans la lumière de Dieu, nous voyons la lumière, nous pas marcher dans les ténèbres, parce que Dieu nous voit. Parce que si nous sommes qui fait méchanceté, nous sommes qui fait ça qui mal, nous ne pouvons pas marcher dans la lumière. Parce que bon Dieu, ça, nous disons, c'est petit rire. Ils sont bon Dieu qui bon. Et puis, deuxième caractéristique du monde qui a marché dans la lumière, qui est la lumière, c'est le monde qui gagne justice la caille. Je parle de justice, c'est le monde qui agit conformément avec tout ce qui est droit, avec la moralité, avec équité, avec droiture. Et la justice, il fait partie de la nature de Dieu, la nature divine. Ouais, la nature divine. Et puisque nous avons caractéristiques, bon Dieu, puisque nous avons nature, bon Dieu, nous participons dans la nature divine, nous avons semence de Dieu dans nous, et bien la justice, c'est une caractéristique de un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est un monde qui est juste dans l'action, dans la relation avec nous. D'ailleurs, c'est un monde qui a marché par la foi, qui copie sur bon Dieu, qui campe sur la parole, bon Dieu. L'air juste ou juste envers bon Dieu, envers parole bon Dieu, ou respecter parole bon Dieu, ou essayer pas dit, sa parole bon Dieu pas dit. Lorsqu'un prédicateur qui est juste, ou pas poster parole là, ou pas mettre plus vêtements tête, ou pas mettre bagaille qui pas dans parole là, ou faire justice à bon Dieu. Lorsqu'un monde qui est juste, eh bien, ou pas dire n'importe bagaille sur le monde. Lors juste dans l'église, en tant que pasteur, en tant que diacre, en tant que prédicateur, en tant que dame missionnaire, lors une bagaille tête entre deux mondes, ou abjugez-le sans parti pris, ou abjugez-le impartialement. Ou pas pour le dire, parce que un tel est comme parce qu'un tel m'a bal raison. Ou pas pour le dire parce qu'un tel ses amis m'a bal raison. Non. Côté vérité à lui, côté justice là, et c'est ça, c'est là pour bailler. Si vous avez un petit problème dans le foyer avec madame, si madame a une raison, il faut d'accord, une raison, justice là, c'est pour lui.
faut qu'on d'accord pour demander pardon, faut qu'on d'accord accepter on tous Marie a gain justice là, ça le fait et lui gain justice là, c'est pour d'accord. Pas capable de cacher la vérité. Et nous connaissons parole bon Dieu dit la justice élève une nation. La justice élève une nation. Eh bien, frères et sœurs, nous-mêmes qui haïtiens, nous capables de voir comment Haïti dégringole. Comment Haïti tombe dans le désordre. Et on connaît tout ça qui fait nous arriver dans le niveau ça, c'est parce que nous avons impunité. La justice n'est pas appliquée. La justice n'est pas appliquée. Et en Haïti, l'injustice là, lit partout. Il y a quelques témoignages qu'on entendait dans l'église qui a passé pour ce bagage qui est injuste. Tribunal, yo bagage yo pas conforme. Regardez comment yo tue un président. Regardez ça, il y a combien de mois. Il n'y a pas qu'un juge dans le pays à Kouchita pour étudier le dossier. Des CPJ, police judiciaire là pour rendre justice. Yo connaît bagage yo. Et puis, mon chef, yo nan injustice. Qui j'ai un pays, ça après le fait bon. Pendant la parole, mon Dieu dit la justice élève une nation. Qui j'ai un pays, ça après le correct. Et États-Unis, ça y est, je dis, à Canada, l'autre pays, yo. Et parce que, même leur fond bagaille, yo ne doit pas pour aujourd'hui, mais là, yo prend ou y a fini, ou la loi a fini. La loi faite pour président, la loi faite pour sénateur. La loi faite pour députés, la justice pour malheureux, la justice pour grand nègre, et laisse un pays à bouger, un pays à avancer. Parce que la Bible a dit la justice élève une nation, la justice élève une famille, la justice élève une société, la justice élève une communauté, la justice élève une église. Et l'on a pratiqué la justice, n'a montré que n'a marché dans la lumière, frères et sœurs. N'a montré que nous sommes petits bon Dieu. Parce que mon Dieu n'a pas dit ça c'est noir pour dire blanc. Et bien nous voyons comment mon Dieu est juste. Mon Dieu est tellement juste. L'initié sans juste pas couler, pas bien pardon pour péché. La justice de Dieu accepter que Jésus-Christ mourit sur la croix complètement. Pour que la justice de Dieu soit accomplie, soit parfaite, pour que Dieu soit capable de satisfaire. Il faut que le Christ meure. C'est une nécessité, c'est une obligation parce que le Christ meure. Parce que le Christ l'a mouru, justice mondiale est parfaitement accomplie et bon Dieu satisfait. Il est ça, bon Dieu capable de pardonner nous, bon Dieu rendre juste, bon Dieu accepter, bon Dieu vraiment favorable à nous parce qu'il est satisfait. Il est accepté, Jésus prend la croix, tout ça au fait. Pour justifier, n'a pas accompli. Il dit que le bon Dieu a sauvé l'humanité, le bon Dieu a uniquement d'accord pour une décision, il vient de tout pour nous sauver. Non, bon Dieu n'a pas fait comme ça, bon Dieu n'a pas magouillé. Bon Dieu fait le droit, bon Dieu a accepté, bon Dieu a mouru, prend toute calotte, prend tout bâton, prend tout coup pour le clouer. Pour justifier, il a accompli. Et frères et sœurs, Dieu est un Dieu d'amour. Mais Dieu aussi est le Dieu de justice. Dieu est le Dieu d'amour, mais Dieu est le Dieu de justice. Il faut prêcher la justice de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu sauve l'humanité, mais la justice de Dieu va punir les hommes qui ne confessent pas que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est ça que fait le monde dans l'enfer, parce qu'il va reconnaître que Christ est mort pour lui. C'est le monde dans le paradis, parce qu'il a accepté que Jésus et mourir pour lui, justice mondiale accomplie. Le maximum, c'est pour nous juste envers le monde qui travaille avec nous, tout côté nous y est, même dans l'église, tout partout. Le troisième caractéristique, là, c'est maximum, c'est le monde qui a marché dans l'humilité. Et la dernière partie, verset 10 a dit c'est le pied de l'orgueil, ne m'atteignez pas. Donc on a le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Le remède de l'orgueil, c'est l'humilité. Orgueil, c'est démon ça qui n'a nous, qui n'a au monde, qui chauffe pour nous plus haut et plus haut passer l'autre là. Orgueil, c'est un sentiment d'autosuffisance. Orgueil, c'est un sentiment de supériorité envers l'autre. Orgueil, c'est
une exagération qui sort. Eh bien, Frère Maxime, nous besoin marcher dans l'humilité, parce que Jean Chrysostome, qui est un grand homme de l'Église, dans le temps du passé, il dit, l'humilité est le fondement de la philosophie chrétienne. L'humilité, c'est mon qui garde l'autre là, qui nous passe, qui garde l'autre là, même Javel. Et nous capables de voir exemple, dernier grand preuve de l'humilité, c'est que Christ là qui voit, qui habite dans ce ciel là. Il l'a dit dans Colossiens 2, à partir du verset 5, il dit dans 11, Christ l'a dépouillé, ouais, de sa vie. Et pas de sa divinité de gloire, ça veut dire, il n'est pas dépouillé de sa divinité, mais il mettait tout honneur que il vient dans ce ciel là, des côtés pour être capable de descendre, il prend corps pour être capable de mourir pour nous. Frère Maxime, si nous avons marché, dans la lumière de Dieu, pour nous capables, humbles, pour nous garder intérêt l'autre, pour nous respecter le monde, pour nous garder tout le monde égal à nous, quel que soit niveau connaissance, pour l'argent que nous gagnons. Et bien, nous devons garder le monde comme le monde pour nous chercher intérêt l'autre. Frère Maxime, pour nous capables de connaître, nous sommes les gens qui marchent dans la lumière, c'est pour nous faire effort, pour nous bon, pour nous juste et pour nous humbles. Que l'Éternel Dieu vous garde, qu'il vous bénisse ce matin. Amen. Amen. Amen.